Ven y descubre las aventuras de Olala Yador, una venezolana en Francia. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme je vous avais promis, je vais faire la vidéo questions et réponses en parlant la langue française, comme vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est de lire les questions que vous m'avez laissées et répondre, tout simplement. Donc, je vais commencer avec Maria Fernanda Rincones qui m'a demandé quels conseils je pourrais lui donner parce que quand elle lit le français, elle comprend très bien, mais quand elle vous parlait, elle ne trouve pas les mots. Et Maria, je veux te dire que pour moi, c'était pareil. C'était plus facile de comprendre la langue française vraiment que de trouver les mots. Mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'était la télévision, les chansons, regarder des films. Et ça m'a vraiment aidé les personnes sur YouTube qui parlent en français. Ça va t'aider beaucoup parce qu'il faut éduquer l'oreille. Il faut vraiment écouter, 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 écouter et répéter. En fait, on est comme des enfants quand on apprend une langue. On entend ou on écoute et on répète. Et c'est comme ça qu'on va apprendre vraiment la... Comment on dit en français la confiance. Voilà. Tu vois, pour moi, des fois aussi, c'est difficile parce que il faut que je pense un petit peu ou il faut que je pense en espagnol. Si. Et c'est comme ça, en fait, quand on commence à parler une nouvelle langue, il faut essayer de parler, même si on sait qu'on ne le fait pas parfaitement, il faut essayer, essayer. Je sais que les personnes qui parlent bien la langue vont t'aider et ils vont te dire... Non, en fait, on ne dit pas comme ça, c'est comme ça, tu sais. Bien sûr que pour moi, c'est différent parce que j'habite en France et c'est plus facile pour moi. Je ne sais pas comme ils font les gens qui habitent pas en France parce que j'ai déjà appris la langue ici, pas dans mon pays. Mais je sais que les films, pour moi, ça m'a vraiment aidé, les films, les chansons, comme je t'ai déjà dit. Et aussi mettre les sous-titres en français, pas en espagnol. Hein, en français. Ce que tu peux faire aussi, c'est de chercher une page sur Internet où tu puisses échanger la langue, faire des échanges de langues. Ça veut dire que tu peux trouver un français ou une française qui veut apprendre l'espagnol. Donc, elle va t'aider avec ton français et tu vas l'aider avec ton espagnol, avec son espagnol. Donc, tu peux voir aussi, il y a des pages. Je sais que mon frère, il a fait ça dans une page qui s'appelle Busu. Donc, je vais laisser le link ici en bas. Et j'espère que tu pourras trouver quelqu'un pour t'aider avec ton français. Donc, la deuxième question, c'est Harold Jessic Lesmes Ortiz. Il me demande donc, si le loyer se paye chaque mois. Et oui, ici en France, on paye le loyer chaque mois. Anthony Garcia me demande avec quelle caméra je filme les vidéos. Et je filme mes vidéos avec mon téléphone, c'est un Samsung Galaxy S6. Et Carolina Vasquez me demande avec quelle application j'édite mes vidéos. Et j'édite mes vidéos avec une application qui s'appelle KineMaster. Je paye 3,15€, je pense, chaque mois. Et je peux utiliser cette application. Jeannette Elgueta me demande quel link je pourrais lui donner pour chercher un loyer. Et je vais te dire les pages qu'on utilise souvent ici. La plus utilisée, je pense, pour les Français, c'est Le Bon Coin. Et aussi Sologer.com. Ce sont les deux pages que j'aime bien et que je sais qu'on va trouver, tu sais, on va trouver directement. Il ne faut pas chercher ailleurs. Et Pablo Correa me demande
Si, quand je suis venue en France, j'avais déjà connaissance de la langue. Et en fait, non, je connaissais pas du tout la langue. Ça m'a pris toute une année pour apprendre. Pas seulement pour comprendre, parce que pour comprendre, c'était plus facile pour moi. Mais pour pouvoir parler, ça m'a pris du temps. Au moins une année, tu sais. Et comme je vous ai déjà dit, j'avais peur de parler, de pas me faire comprendre, aussi de la phonétique, parce que je savais pas dire la R, et je ne voulais pas parler comme ça, comme un latino qui parle avec la R comme ça j'aime pas, je sais pas, je le trouve pas joli, et il faut faire des efforts, un petit peu. Et voilà, c'est ça. Grisette défend s'il me demande comment j'ai connu mon mari. Et on s'est connus il y a 11 ans, c'était l'année 2005, oui, sur Internet, parce qu'en fait, il cherchait quelqu'un pour pratiquer son espagnol. Et on s'est trouvé sur un site de chat, un chat, sur un chat. Et voilà, il m'a écrit et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Bah, on est. En fait, on était juste que des amis, mais c'était l'année 2012 quand on a vu qu'on sentait quelque chose de plus, qu'il pourrait avoir des sentiments. Et il a décidé d'aller me voir au Venezuela. Et depuis qu'on s'est vu, on a su que on s'aimerait pour toujours. J'espère que ça sera le cas jusqu'à la mort, hein. Chrisette de France, il me demande aussi dans quelle langue on se communiquait avant d'apprendre le français. Et on se communiquait en espagnol. Après, quand il a vu que je faisais les efforts pour apprendre vraiment la langue française, il m'a aidé, il me parlait en français. Et maintenant, on n'a pas une langue fixe en fait à la maison. Il peut parler en français, je lui réponds en espagnol. Et je peux parler en français, il me répond en espagnol. Et seulement qu'on fait attention avec notre fille. Et moi, je lui parle seulement en espagnol et mon mari lui parle qu'en français. Voilà, c'est tout. Elisabeth Doumelier me demande si quand je me suis mariée, j'ai changé mon nom de jeune fille pour mon nom d'épouse. Et oui. Et j'ai changé mon nom. Maintenant, en France, je ne m'appelle plus Adriana Perestovar. Je suis Madame Pastor, Adriana Pastor. Et elle me demande aussi si quand je vais au Venezuela pour acheter les tickets d'avion, j'utilise mon nom d'épouse ou de jeune fille. Et en fait, je ne sais pas parce que je ne suis pas retournée à mon pays depuis mon mariage. Donc, je sais pas. C'est Rodriguez me demande combien de temps j'ai en France et je suis arrivée en France en mai 2014. Ça veut dire que dans un mois ou moins d'un mois, j'aurai 12 ans en France. Et pour finir, Maria Andrea me demande si elle peut travailler et faire les études en même temps. Et oui, si tu as une visa d'étudiant, tu peux travailler 24 heures par semaine, si je ne me trompe pas, mais pas en plein temps. Mais oui, tu peux travailler et étudier en même temps. Pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, que vous avez pu entendre un petit peu le français aussi et que vous m'avez compris. Et les personnes qui parviennent le français, vous pouvez me dire ce que vous pensez de mon français, si je dois faire un petit peu plus d'efforts, et vous pouvez me dire. Hein. Et si je fais quelques erreurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me corriger, ok? Parce que c'est très important pour moi. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que vous avez aimé. Ne vous découragez pas si des fois vous ne comprenez pas trop le français. C'est ça, apprendre une nouvelle langue, c'est entendre et répéter. Et tous les jours, on va apprendre un nouveau mot. D'accord? Et c'est tout.
pour aujourd'hui. On se voit la prochaine et à bientôt. Au revoir. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme a través de mis redes sociales. ¡A bientôt!